Bonjour, je vais vous traduire la vidéo de l'installation électrique à domicile. Ou ce qu'on appelle l'installation électrique domestique à التمديدات الكهربائية المنزلية. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le principe d'une installation électrique domestique. Une installation électrique répond à des besoins caractéristiques, mais aussi des normes de sécurité et de protection invariables. Pour cette présentation, nous utiliserons un tableau électrique, des ampoules et des appareils électroménagers. Cette présentation s'effectue en trois parties que nous allons vous détailler. Partie 1, la liaison au réseau de distribution. L'installation est en général alimentée par un réseau de distribution. La première protection rencontrée est une protection générale dans le boîtier d'abonné. Elle limite le courant suivant l'abonnement. Partie 2, le coffret électrique. Le coffret ou tableau électrique relie l'arrivée du réseau aux circuits électriques domestiques. Il est constitué de l'arrivée du réseau, d'une protection différentielle pour les utilisateurs, de protection divisionnaire, les disjoncteurs qui limitent l'intensité du courant dans chaque circuit et protègent contre l'incendie. Pour en savoir plus sur les protections divisionnaires, se référer à la vidéo « Protéger un circuit électrique ». Partie 3, le circuit de distribution. Le circuit de distribution se divise en deux parties. Il y a d'une part le circuit d'éclairage qui comprend les câbles ou les fils électriques, un ou plusieurs interrupteurs de commande et un ou plusieurs points lumineux. Il y a d'autre part le circuit de prise qui comprend les câbles ou fils électriques et une ou plusieurs prises de courant. Vous savez maintenant comment est construite une installation électrique domestique. Je vous ai expliqué alors en français et en arabe comment se fait et se construit l'installation électrique à domicile ou bien l'installation électrique domestique, يعني التمديدات الكهربائية المنزلية. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser l'électricité seul, il faut qu'un expert soit avec vous, vous entraîne à le faire. لا تنسوا أن الطاقة الكهربائية خطيرة جدا ولا يمكنكم استعمال أي من هذه التقنيات إلا بعد خبرة وبعد استشارة وبعد تدريب عن طريق خبير بالكهربائيات. والسلام عليكم ورحمة الله. Au revoir, إلى اللقاء. أتمنى أن تضغطوا زر لايك وشير لقناتي على اليوتيوب. قناة رنا السيد